Salut, nous c'est La Faune. La Faune, c'est né de moi qui, en fait, en studio, qui a commencé à écrire des tunes, puis ensuite qui a voulu les jouer avec mes meilleurs amis sur le stage. La Faune, ça représente beaucoup qu'est-ce qu'on veut faire parce que c'est un amalgame de tellement de choses. Un amalgame de rock, un amalgame de musique alternative, de folk, des éléments électroniques. Puis c'est à travers tous les autres projets que j'ai travaillé avec que là, j'ai trouvé toutes les couleurs que j'aimais. Ça représente vraiment le son que toutes ces autres aventures-là avec d'autres groupes ont shapé pour moi. Le thème de l'album, c'est beaucoup l'urgence, tous les types d'urgence, côté parole. Donc, l'urgence d'agir, l'urgence de créer. Il y a vraiment quelque chose en dedans qui veut sortir, qui veut devenir concret. La Faune à la maison, c'est une chose. Ce que t'entends, c'est moi dans le studio qui a fait ça tout seul, qui a appelé mes amis pour faire quelques trucs. Mais La Faune en live, c'est un gros show avec les amis. C'est là que le band existe. C'est là que ça commence à être plus gros que nature, tu sais. Pour la perfo aujourd'hui, il nous manquait deux membres du groupe. On est cinq d'habitude. On les a apportés avec nous. Renaud, Daniel ici. Donc, une petite pensée pour les garçons qui manquent. Un peu drôle, monter sur nos grands chevaux et toi grounded. Ben, je pense que La Faune va un peu comme challenger les sonorités à laquelle on est habitué au Québec en ce moment. Je pense que la musique est accessible, mais que peut-être que le son, ça risque de challenger certains auditeurs. Positivement, en fait. Ouais, j'espère que les gens vont se poser une question en écoutant ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui y vont pour le facile, tu sais. Ah, on va sortir une guitare acoustique, on va sortir un 40, puis that's it. Mais il y a tellement de possibilités que tu peux faire, même juste à trois, de rapporter un spectacle, puis pas de jouer une gig, tu sais. Pas de simplement travailler, mais d'avoir du plaisir, puis de donner un spectacle aux gens qui sont là. Et tu nargues d'un œil.